Je saisis cette heureuse occasion pour vous prier de bien vouloir transmettre la haute considération du corps diplomatique en entier à son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, pour son esprit de maturité et son souci de voir tous les Béninois impliqués dans la gestion de l'État, en organisant et en prononçant lui-même le discours d'ouverture du dialogue politique de tous les acteurs impliqués. Car, d'après François Guizot, de son nom François-Pierre Guillaume Guizot, historien et homme politique français, je cite, « Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs. » Le corps diplomatique souhaite que la main tendue de son Excellence Patrice Talon soit acceptée par tous. Et comme le dit le dirigeant politique Gandhi, œil pour œil et dent pour dent n'ont jamais fait que des bornes et des édentés. Il vous souviendra qu'au cours de la fermeture de l'année diplomatique couplée au 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin, j'avais fait une présentation de quelques événements importants ayant marqué votre offensive diplomatique. Ces efforts se sont poursuivis avec votre déplacement à Abidjan, en compagnie de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, pour rencontrer son homologue de la Côte d'Ivoire et échanger en votre présence des préoccupations régionales et internationales 48 heures seulement après votre retour de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, TICAD-7, tenue du 27 au 30 août 2019 au Japon. En un mot, vous avez mis en valeur l'engagement du président Patrice Talon et ses effets. Excellence, Monsieur le ministre, grâce à votre clairvoyance éclairée, à votre souci permanent de voir réaliser ce Bénin révélé et vos conseils sur le plan diplomatique, le Bénin, à l'instar d'autres pays de la CEDEAO, a pris part du 12 au 14 septembre 2019 au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement sur la lutte contre le terrorisme à Ouaga. Excellence, Monsieur le ministre, le corps diplomatique apportera, continuera d'apporter son soutien au Bénin, car à supposer même qu'on soit aveugle et qu'on ne voit pas les réalisations qui sont en train d'être faites, on les entend sur les médias, et comme le dit encore un autre adage, une fois le soleil levé, la paume de la main ne peut pas le cacher. Sur ce, Excellence, Monsieur le ministre, le corps diplomatique, en mon nom personnel et au nom de tous ses membres, vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année diplomatique. Je ne saurais terminer mes propos sans réitérer encore une fois de plus mon appel aux bailleurs de fonds pour soutenir davantage les efforts du gouvernement du Bénin, tout en leur rappelant que l'année 2020, qui va bientôt débuter, doit être une année phare et plus décisive pour le Bénin. C'est pourquoi je les exhorte à multiplier les plaidoyers auprès des différentes institutions de développement, de même que sur le plan bilatéral, afin que le Bénin révélé soit une réalité et que les objectifs assignés au programme d'action du gouvernement PAG soient atteints.